Et les gens, bienvenue sur frappestage.fr ou sur mon blog dissent3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Metro Exodus, donc sur PC, un jeu qui m'est rendu disponible, on va dire, grâce au Xbox Game Pass. C'est parti pour un tour. Nous sommes toujours dans le train et on va atteindre une nouvelle zone. On a passé la vidéo précédente à écouter les dialogues et à découvrir un petit peu. Donc on va pouvoir aller voir ce qui se passe plus loin. Shipartimki. Voyage vers le prochain monde. J'ai l'impression qu'on a quand même fait de sacrés zigzags. Hein. Bref, bonne nuit à toi, Red Sins. Je n'ai jamais été très croyant. Fais de beaux rêves, prends soin de toi. Et à la prochaine. Mais ciao, en bisous. Ce moment, je prie tous les dieux. Pitié. Veillez sur Anna. Et faites que la vallée puisse la guérir de sa maladie. En attendant, Alyosha et moi sommes partis en mission de reconnaissance. On ignore ce qui nous attend. Mais Alyosha semble persuadé que tout un tas de femmes attendent son arrivée avec impatience. Si c'est bien le cas, je ne pouvais pas rêver meilleur compagnon pour cette mission. Mmh. Attends, la fin du temps de chargement et pendant ce temps-là, je grignote. C'est incroyable comment ça part vite les pots de pâte tartinée comme ça. Surtout à la cuillère. Oui, messieurs. Mesdames. C'est terrible, surtout quand c'est très bon aussi. Et je coupe la caméra parce que pendant que je grignote, c'est quand même pas agréable de voir quelqu'un qui bouffe, je trouve. Surtout la cuillère. Ouais, une dernière cuillère. On y va. On est à combien? 80%. Bah, c'est parfait. Et voilà, c'est terminé. C'est vrai. J'avoue que j'ai un petit faible pour cette vallée. Inspire un bon coup. Ça donne le tournis. J'ai jamais respiré un air aussi pur. En restant une semaine ici, en plus de guérir Anna, je te parie que les jambes du colonel pourraient repousser. Ouh, on connaît ce lieu là-bas. Bordel, ça se coud. Les rails sont complètement tordus. Ils vont pas tarder à lâcher, à mon avis. Attends, là. J'espère qu'ils pourront supporter notre poids. Ça, là, on connaît là-bas. On va contacter l'Aurora et leur dire de prendre l'autre voie. On dirait le bâtiment du... qu'il y avait dans la présentation E3. Ici, reconnaissance avancée. Vous me recevez? À vous. Ici l'Aurora. Franchement, 5 sur 5, terminé. Mais normalement, il faut dire 1, 2, 3, 4, 5. Mon colonel, cette voie est trop fragile pour l'Aurora. Prenez la principale, à vous. Je vois. Elle aura besoin de réparation. Ça va donc tarder. Mais le plan tient toujours. On se rejoint au barrage. Quelle est la situation là-bas? Terminé. D'accord. La situation est juste incroyable, mon colonel. Anna va sûrement adorer. À vous. Ravi de l'entendre. Continuez comme ça. On aura terminé. Bon, voilà le plan. On rejoint ce barrage. C'est pas du météor. Vite fait. Et on les recontacte. C'est les cadeaux de Nico. C'est le pot du comptoir Mathilde. Pas tartiner les noisettes. C'est super bon. C'est vraiment régal, cette pâte tartinée. Et sans huile de palme. Ouais, ouais, ouais. Attends, il y a une corde là. Oh merde, merde. Bon, faites qu'ils s'en sortent. Ah, il y a du courant. Ah non, fais pas ça. Ça sent pas bon. Je m'attendais pas à ça. J'ai lâché mon sac, donc toutes mes munitions, toutes mes armes étaient dedans, j'imagine. Donc ça veut dire que je n'aurais plus mon petit pistolet trop génial. Non, je suis pas mort. C'est faux. Je suis sauvé par un mort. Mais crois-moi, t'es classe. Tu m'as l'air super classe. T'as l'air d'avoir un design magnifique. Alors attends.
sentez lourd. Une Amazone. Salut Lara, comment vas-tu? Oh merde. Respire. Oh. Ah. On doit vérifier la berge en aval des rapides. Y'a rien ici, j'arrive. Bien. Nos hommes ont capturé ton ami. Mais je sais que vous n'êtes pas des bandits. Je vais t'aider, à condition que tu ne fasses pas l'idiot. Je dois y aller. Reste discret et tout se passera bien. Donc il y a déjà des gens. Il y a déjà des gens. On va souffrir. Je voulais que ce soit un endroit libre, qu'on soit tranquille. Et non, mais non. En même temps, une nouvelle zone, ça aurait été la fin du jeu. Et t'es en train de bouffer, toi, dégage. Ah, c'est super beau quand même. Hein. Vous n'allez pas me dire le contraire, c'est magnifique. Donc il y a des gens qui pêchent par ici. Est-ce que... Non, la voie ferrée n'est pas de l'autre côté. Il y a des maisons au-dessus. Par contre, qu'est-ce qu'il a un balai dans le cartable? Oh là, ça m'a l'air bien rouillé. Il y a un vieux bonnet posé sur la statue, je trouve ça rigolo. Parce que j'ai plus rien là. Je crois même pas avoir de quoi. Ouais, je peux pas crafter du tout. Bonjour monsieur. Est-ce que j'ai des carreaux? Est-ce que j'ai des choses? C'est super joli. J'adore ce type d'ambiance. On va récolter des ressources. Il va me faire la gueule à notre pote, hein, vu qu'on est tout balancé. L'arme qui bouge son déplacement, c'est joli. Donc j'imagine que j'ai aussi... Ouais, j'ai perdu mes lunettes nocturnes aussi par la même occasion. Donc me voilà propulsé au début du jeu. Mais ces intérieurs, les amis, ces intérieurs... Ah, je trouve ça génial. Il m'en faut plus. Ça fait tellement penser à l'urbex, c'est ça. Un jeu juste où on fait de l'urbex, comme ça me plairait tellement. Juste explore comme ça, tu te balades en vue FPS et t'explores des lieux. Et ça fonctionnerait aussi en VR, ce serait parfait. Ah! La carte postale, j'ai trouvé deux cartes postales dans le jeu. C'est déjà pas si mal. Bon, c'est pas parce qu'on a tout perdu qu'il ne faut pas explorer un minimum. Et ramasser des trucs, même si on peut pas les crafter, on ne sait jamais. On les aura moins sur nous. Si on est amené à retrouver notre sac à un moment ou à un autre, on pourra toujours le suicider. Ça fait penser à Resident Evil 7. Je suis à fond. Maraudeur, il vous arrivera la même chose à tous. Finir avec une pancarte sur le corps. C'est quand même vachement violent, ça. Violeur. J'espère qu'il va être content là, machin chose, avec Olga dans les parages. Il y a carrément terminé dans le fond. Oh, il y a d'avoir un joli poster là-bas. Veuillez patienter, nous allons nous approcher du poster d'ici quelques secondes. Toi, je récupère. Oh, j'adore ça. Ça fait partie des trucs qui m'avaient vraiment plu dans Resident Evil 7 aussi. Hein. Le fait d'explorer une vieille maison comme ça. Panneau maraudeur. Et. La lumière gâche tout. C'est bon, je te récupère.
Bandit, ce territoire appartient aux frères de la côte. Dégagez ou vous mourrez comme les autres. Mort aux intrus. Aux frères de la côte. Frère A.I. Quelqu'un m'a tiré dessus apparemment. Je suis pas trop d'accord avec ce comportement, monsieur. Oui, mais... pas quitté toi. Me laisse pas là mec. Il y a des tas de loups dans le coin. Pourquoi t'as été accroché à ce truc là? Je te dois une fière chandelle. Je l'oublierai jamais, je te jure. Ces bâtards de la forêt. Je vais me faire déchirer par ces connards de loups. Tu me dis que dalle. T'es de quel baraquement? V'là ton matos en tout cas. En tout cas, va pas là-bas tout seul. J'ai essayé, et tu sais comment ça a fini. Ces connards se planquent comme de vrais lézards. J'avais réussi à rentrer, et j'étais sur le chemin du retour quand ils me sont tombés dessus. Merde! J'ai les jambes complètement engourdies. Je peux pas bouger. Intéressant. Je vais attendre qu'elles se remettent. Et j'irai chercher les gars. On a une bonne chance de surprendre ces merdeux. On va les écraser comme des punaises. Ah, c'est bon. Ah, mais t'as un bandit. Écoute, t'es de quel baraquement au final? Je croyais connaître tout le monde. T'es de notre campement au moins? Non. Et enfin. Je suis même pas un bandit. Même si t'es pas un des nôtres, j'ai quand même une dette envers toi. Merci, mec. Et ces sauvages, là. Si tu veux traverser leur territoire, va falloir te déplacer comme un fantôme. Cela dit, tu m'as l'air plutôt coriace. Je parie que tu pourrais tous les éliminer. Artem, décidément, c'est un super-héros, il est d'une violence. Alors, si tu croises un de ces enfoirés, descends-le. En de puissance. Ça leur apprendra à pendre nos hommes à leurs poteaux. En même temps, je me dis que... pas nous, méchants. Bonne chance, vieux. Tu vas en avoir besoin. Ah, mais il avait la corde serrée autour du cou, donc forcément, le sang n'est pas monté là où il fallait. Bonjour monsieur, je sais pas trop dans quelle direction partir en fait. Est-ce que j'ai une carte? Actuellement je ne suis même pas assis, je suis là-bas. Il faudrait que j'avance de ce côté-là, apparemment. J'ai envie d'aller voir s'il y a un passage là-bas, vers les maisons. Mais ça a l'air immense. Apparemment, faudrait que je parte par là-bas. Ça va pas être pratique, ça. Ok, donc en fait, c'est cassé ici, ce qui fait que je pourrais pas passer. Le tracteur est complètement destroy. Et je parie que j'ai plus mes jumelles non plus. Ah si, ils m'ont glissé mes jumelles. C'est joli. Bon bah la zone est habitée malheureusement. On est foutu. Est-ce que je vais par là du coup, ou est-ce que j'essaie de traverser de l'autre côté? J'hésite. Explorons quand même un minimum, on ne sait jamais. Ça en fait des gens morts, là. Ça va, monsieur? Ok, donc lui est en train de pêcher, il s'est fait tuer. C'est vachement sympa. Je sens qu'on est encore tombé sur des gens qui nous veulent du bien. Salut, Rivality!
Et bienvenue parmi nous. Ou Rêve Anity, je sais pas. Reva Anity, je sais pas comment on prononce son pseudo, si jamais je l'écorche, n'hésite pas à me le dire. En tout cas, bienvenue parmi nous. Bienvenue dans ma bulle, installe-toi confortablement, on espère que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints. Coucou. Salut à toi, comment vas-tu? D'entendre Sullivan? Ah, Sullivan? Dans Uncharted? Au niveau de la voix, c'est possible, je ne sais pas. Tu parles d'une connerie. Allez, je vais essayer de passer par là-bas pour la voir. Berge et j'attends les gars. Ouais, bah... C'est censé partir rapidement. T'as rien d'autre à dire? C'est bon? On va dire que c'est bon. Alors, il y a quoi ici? Je sais pas si ça vaut le coup de continuer par là. Je vais quand même traverser au cas où pour voir. Coucou. C'est les Galbatorix, comment ça va? TBZ, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jean-Louis la chaussette. Je sais pas qui est Jean-Louis la chaussette. Je connais pas. Hop, ça en prend. Ça fait toujours des réserves supplémentaires. C'est vrai que c'est très sympa comme coin. Ça a l'air vraiment pratique au niveau de l'air près. Quand j'étais dans le train, ça me dit rien. De JDG, voyons. J'ai pas dû voir alors, j'ai enlevé la chaussette. Je ne sais pas. Là, tout de suite, ça me rappelle absolument rien. C'est dans le bazar ou c'est dans le... Ou c'est dans les vidéos d'origine? Quelques ressources, je ramasse des munitions, mais rien qui puisse m'être vraiment utile. Pour l'instant. Je le sens pas. C'est un épisode pour Noël. J'ai pas dû le voir alors. Ou alors je n'ai aucun souvenir et c'est vieux. Ça me dit rien du tout. C'est bon. Cette musique, tout ce qui se lance. Ça me fait un peu penser à... The Vanishing of Ethan Carter, là, tout de suite. Par contre, c'est dommage, ils ont traduit que la moitié des affichages. Tout n'est pas prêt à traduire. J'ai oublié, je pense, entre-temps. Gardien. C'est possible que je l'ai vu, mais que j'ai oublié. En général, je m'en souviens pas longtemps des vidéos que j'ai vues. C'est envie de descendre, non? Y a pas une entrée quelque part? Là, c'est fermé peut-être de l'autre côté. On va essayer de faire le tour. On va quand même éviter d'allumer la lumière trop souvent. Ça sera un dommage de se faire repérer bêtement. Tiens, t'es revenu à toi? T'as pas quelque chose de planqué dans le dos encore? Non. Non. Non, non. C'est peut-être eux qui ont d'ailleurs déclenché l'éboulement, là. Les éclairages en termes de lumière par rapport au... à l'heure de la journée, le temps qui passe, sont vraiment super. J'ai l'impression qu'il va commencer à faire nuit. Donc on aura bientôt besoin d'éclairage. Ça, ça me rassure pas trop, à vrai dire. D'autres maisons à explorer, d'autres maisons à explorer. Pitié, d'autres maisons à explorer. J'en veux plus. Oui. Ah, une école. Je mange toujours ma machine pour recharger. Tu vends les Drama Box Makers, si tu les connaissais. Ouais, j'ai entendu parler de ça. J'ai vu leur vidéo de 2 heures. Je crois que j'avais vu aussi leur vidéo réponse de Cyrix. Parole, parole, parole. Bref. C'est quand même bien triste tout ça. Mmh.
je serai pas prêt tout de suite trop de chenille demain, moi. Bonjour. Bonjour. Il y a de quoi respirer par ici. Les fameux masques à gaz, je vous conseille grandement d'aller voir la vidéo de Mamie Twink et de son équipe, donc Zeka et François, sur Tchernobyl, qui est vraiment, vraiment très sympathique. Impossible. Mais tu vois, sur 2 heures, j'ai pas retenu grand chose de ce qu'ils ont raconté, quoi. Ah, je voulais rentrer dans ce bâtiment-là, moi. Je suis déçu. La nuit est en train de se coucher. Ou de se lever, je sais pas comment on dit ça. Halte là! On bouge plus! C'est le territoire des frères de la côte. Un pas de plus et tu subiras notre châtiment. Ouida! Un pas de plus et tu mourras! Ouais, alors ouste, marin d'eau douce, si tu veux pas marcher sur la planche. Un seul vagabond, c'était déjà trop pour aujourd'hui. Bien, va voir ailleurs comme un bon chien. Bienvenue à toi. On va éviter de les embêter. Toi qui viens de t'abonner. Salut Will Scott, comment vas-tu? Bienvenue parmi nous, bienvenue dans la bulle. Installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints, ça fait plaisir en tout cas. Ok, à plus, Vec. On est quelle heure? Oh, il est 1h45. On est large en termes de temps, on est large. Tout va bien. Bonjour. J'aime pas les lumières. Ah, si, je peux peut-être rentrer par là. Ouh, il y a une planque ici. Par contre, ils disent trésor, attention, mort. Ah non, mais c'était un truc pour les gamins, ça, j'imagine. Ok. C'était la cachette pirate. Posée juste ici. Ok, d'accord. Eh, merci Silmaris, par contre ça pas. Je t'avais pas dit merci. Je sais plus. Tu viens de t'abonner, pourquoi ça m'a rien affiché? Ça a pas l'air d'avoir encore pris en compte. Mais merci pour le follow, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue. Ah bah voilà. Oui, toi qui viens de t'abonner. Ça aura pris son temps, mais c'est bon, c'est là. Merci et pareillement, bienvenue parmi nous. Bienvenue dans ma bulle. Installe-toi en espérant que tu te sentiras bien ici. Bonjour, quelqu'un. Bonjour, bonjour. Non, ça passe pas par ici. Dommage. J'y ai cru, mais non. Je sais pas lire le russe. Ça, j'imagine que c'est la suite de nos aventures. Est-ce que... Par là, ça partait vers la suite? Ok. Pourquoi y avoir des ghouls là-dedans? On va essayer de faire le moins de bruit possible. Il y a des rats. Mais je vois pas grand chose de plus. Qu'est-ce que j'aime l'ambiance de ces bâtiments abandonnés. Au revoir monsieur. Arrête de vous rencontrer aussi. Il y a une échelle qui mène sur le toit. Là on va éteindre ça. Une cassette, et comptons ça. Ça fait déjà 2 mois. Personne n'est venu chercher les gamins. Vicky et Toucha ne reviendront pas non plus. Les employés du barrage ont dit qu'ils les emmèneraient en ville, mais... J'aurais dû user de mon autorité pour les en empêcher. Mais à l'époque, j'avais encore espoir qu'on nous évacue. Je me faisais des illusions. Je m'en rends compte maintenant. Qui viendrait nous évacuer quand il n'y a que de la friture sur la ligne ? Il paraît, Wassim Maris. Les secours ne viendront pas. Encore une fois, a-t-on vraiment besoin des secours ? Notre vallée ne constituait clairement pas une cible. Même les retombées nous ont épargnés. Le compteur n'indique aucune radiation, même à proximité des tuyaux d'évacuation. Les enfants sont bien préparés.
Tout ce temps passé à randonner aura été utile. Ce sera simple de leur apprendre à chasser. On a tout le nécessaire et on pourra fabriquer ce qui nous manque. Je vais arrêter de me poser des questions. On prendra les problèmes comme ils viennent. La survie passe avant tout. Voilà, un mec a des bons réflexes. Donc oui, j'ai encore coupé la caméra parce que forcément je bouffais. Gros gourmand que je suis. Voilà. Ça c'est bon. Le poivre. Des ressources. Je peux toujours rien fabriquer. Et pendant ce temps-là, on a Anna qui souffre. Faites qu'elle survive. Avant de monter sur le toit, je veux d'abord voir ce qu'il y a en dessous. L'eau a quand même l'air un petit peu contaminée. Eh hey, mais t'es le jumeau de celui qui était là-haut, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. T'as pris des couleurs, toi. Mais qui sont tous ces gens morts? Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est des mecs qui ont été assassinés ici? Apparemment, certains ne sont pas encore transformés en tas de... Il y a comme un truc qui gargouille. Je rêve ou c'est un nounours? Un morceau de nounours dans des chiottes. Ok. Tout va bien. Il y a comme qu'il y aurait un petit problème d'évacuation des eaux. Quelqu'un les a pliés et les a rangés ici. Je ne sais pas du tout pourquoi. Ah, super. Tu m'excuseras, mais... Peut-être que j'aurais pas dû essayer de le tuer. Peut-être que j'ai une faille mauvaise action. Ça me plaît pas trop. Parce que je viens de tuer une bestiole pour rien, et ça c'est pas cool du tout. Limite ça me donnera envie de revenir et Non mais c'est bon, je vais me barrer, regarde. Hop. Plus de problème. Ah non, il reste l'étage. J'aurais peut-être pas dû le tuer. Entre nous, je crois que j'ai fait une erreur en faisant ça. Il m'attaquait pas, il défendait juste son territoire. Non, pour le coup, j'ai juste pas été sympa, quoi. Y'a pas droit à grand chose par ici. C'est bon. Voilà, on va éviter d'utiliser la tyrolienne, je sais pas trop ce que nous amène. On va redescendre par là. Normalement on a tout vu ici. Et on va se barrer par ici si on ne meurt pas en tombant. Normalement ça devrait être bon. Voilà. On va aller tranquillement par là, on va éteindre la lumière au cas où il y aura des gens qui se baladent. Mais c'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose. Je sais pas pourquoi je me décale comme ce côté pour mieux voir à gauche, ça va rien changer du tout. Je ne verrai pas mieux. Est-ce que j'ai encore des couteaux? Écoute, ça fait un moment que je voulais te le demander. Toutes ces histoires de pirates, les cadavres au poteau. Vous croyez vraiment que c'est ce que voulait le professeur? Le professeur voulait qu'on se défende! Bah rien de tout ça est utile. Les bandits ont encore été vus au village. Et nos gars ont capturé un vagabond aujourd'hui.
Ça veut juste dire qu'il faut qu'on leur refasse la leçon. C'est pour ça qu'on est là. On va en attraper un ou deux et faire de nouveaux épouvantails. Ben, les bandits, je comprends. Ils font des trucs affreux par ici. Mais ce nouveau vagabond a pas l'air d'être un bandit. Peut-être qu'il faisait que passer. Si c'est pas un bandit, il aurait pu passer à côté de nous tranquillement. Mais non, il est sorti de la rivière. Pour moi, en faire un épouvantail, ça dissuadera bien les autres d'approcher. Je suis vraiment pas sûr, là. Je sais pas si je peux tuer quelqu'un comme ça. Voilà. Ça fait partie de mes destinations. Apparemment, faut que j'aille par là. C'est embêtant par contre que je ne puisse pas. Non. Je crois que le jeu a planté. Pourquoi je suis ici? Il y a eu un bug graphique. Comme ça. Normalement, j'ai essayé de sauvegarder, donc on va voir ce qui va se passer. J'attends. C'est bon, ça a quitté le jeu. T'as pas un problème de mémoire? Je vois pas pourquoi il y en aurait un. Je sais pas. Et tout le monde l'a eu, apparemment. A eu des moments, des crashs comme ça. Je crois que je t'ai même pas dit bonjour. Si, Moon, quand t'es arrivé tout à l'heure, c'est vrai que t'étais là. J'avais zappé. Je me souviens plus. Alors, on relance, bien sûr, et... Coucou. Salut, Chris. Sur le coup, je vois Gloomir, je me dis, mais qu'est-ce que c'est histoire ? Erreur. Pour fermer et mettre à jour l'application. Mais elle est fermée, là, l'application. Donc, il y a une mise à jour. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Processus. Est-ce qu'il reste encore du métro quelque part là-dedans ? Ah, mais il veut faire une mise à jour et... L'animation de cette mise à jour va désinstaller le jeu, mais je suis pas d'accord. Ah ouais, mais non, ils vont pas me faire ce coup-là dégueulasse. On a combien de rediff là? On a 34 000, bon, c'est pas trop grave. Mais en gros, voilà, le jeu a quitté ce qui fait une mise à jour, apparemment, en plus. Et le problème, c'est que j'ai ça d'afficher. Et le problème, c'est qu'il télécharge pas. Ça m'a déjà mis quasiment une journée à télécharger, parce que le jeu entier... Parce que ça m'était mais vraiment, vraiment des plombes et des plombes, quoi. C'est-à-dire qu'il téléchargeait à 50 mégas d'un seul coup, et puis après, il s'arrête. Et il marque 0 pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, des fois. Donc ça m'embête un peu. Parce que du coup, je peux pas relancer le jeu. Et si je coupe la mise à jour, eh ben ça s'arrête là, quoi. Non, je suis dégoûté. Je schtroumpf, quoi, ça se fait pas. Un jeu qui plante, que c'est original. Mais là, le problème, c'est pas qu'il plante le jeu, c'est que j'ai pas le droit de le lancer tant qu'il a pas terminé la mise à jour, mais la mise à jour se fait pas.
Je vais redémarrer le PC vite fait. Jeu de secours, ben pour l'instant je sais pas, on va voir. Je suis en train de redémarrer le PC. On va mettre de la musique en attendant. Ah mais non, je peux pas mettre de la musique, je suis en plein record. Peut-être qu'on va couper le record ici, je sais pas. On va faire un essai rapide pour voir si ça se relance rapidement. Non mais je suis pas sur Epic, Christ. C'est le Xbox Game Pass, donc je suis via le système d'Xbox. Veuillez patienter. L'ordinateur est actuellement en train de redémarrer. Parce qu'étant donné que le jeu a planté, apparemment, il considère que le jeu est encore en cours de lancement, d'où le fait qu'il ne télécharge pas. Donc là, le PC redémarre, le PC a redémarré, hop, quitter TeamViewer parce qu'on s'en fout. Et on va attendre que tout se lance, et on va bien voir ce qui va se passer. Je pourrais couper la rediff, et je me dis, si ça se relance en 5 minutes, c'est pas grave, quoi. Steam qui fait sa mise à jour. Là, ce moment-ci, j'ai reçu un superbe pins aujourd'hui. A marqué You are beautiful. C'est quand même sacrément joli. Hein. Oui, lance-moi ça, s'il te plaît. Toc, toc, toc. Coucou. Salut Berserker, comment vas-tu? Ok, donc ça c'est fait. Xbox, il en est où? Ah bah c'est bon. Je peux lancer directement. Tout va bien. Pas besoin de couper la rediffusion tout de suite. Du coup, je sais pas par contre si ça aura sauvegardé ma partie ou pas. C'est vrai, mec. Ça fait du bien mentalement. Bah j'imagine, oui. Normalement, le jeu est en train de se lancer. Faut juste patienter qu'il veuille bien le passer à l'acte. Et normalement c'est bon. Donc c'est le deuxième gros plantage qu'on a du jeu. De quoi qui était cute? J'ai pas compris. Parce que moi c'est à celui-là que j'ai envie de jouer. Je suis drogué, je le veux. Allez, on y croit. Alors du coup, est-ce qu'on va voir Anna? Anna n'est pas là. C'est pas très rassurant qu'elle soit pas là à l'écran. Je le sens pas trop cette histoire. Oh, c'est mignon, Berserker. Ah, le pins. Mais en ce moment, je prie. Il s'achète sur la boutique de Kiran Warhol. Pitié, veillez sur Anna. Et faites que la vallée puisse la guérir de sa maladie. En attendant, voilà. Alyosha et moi sommes partis en mission de reconnaissance. On ignore ce qui nous attend, mais Alyosha semble persuadé que tout un tas de femmes attendent son arrivée avec impatience. Si c'est bien le cas, je ne pouvais pas rêver meilleur compagnon pour cette mission. On attend la fin du temps de chargement. Coucou. Ah bah tiens, coucou Isa, comment ça va? Anna pas ok, je sors ou pas? Il faut pas qu'elle meure. Je veux pas qu'elle meure, moi. J'espère qu'elle meure pas à la fin, je serais triste. Je veux pas qu'il y ait des gens qui meurent. J'aime bien mon équipe. Ils ont pas le droit de mourir. S'ils meurent, on les tue. Comment ça va, Adamisa? Comment te sens-tu aujourd'hui? Coucou, BG aussi. Comment ça va? J'ai fini ta rediffusion, d'ailleurs. Avec la prison. La prison? Comment t'es arrivé dans le truc du creusot aussi? Et salut, Dispéon, comment ça va? Qu'ai-je donc fait? Non, mais je parlais de Kiran Warhol, la boutique. Je sais que j'avais reçu un joli pins aujourd'hui. Donc bon, comme tu la connais bien... Voilà. On a encore eu un plantage, c'est la tristesse. Alors que j'étais en train d'investir un camp, quoi. Un camp, encore. Ah là 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 là. Non, c'est bon, c'est la musique. Bah, je vais bien, je te remercie. Bah, c'est pas grave que t'aies pas eu le temps. Au moins, j'ai pu rattraper l'ardif.
Ok, j'ai eu le temps de reculer, le mec était bien mort. Parce qu'en fait... Mince, 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 ça sent pas bon ça. T'as entendu? Le capitaine compte attaquer ce train. Je parie que les pionniers vont piquer une crise à la réunion du conseil. Oh, au diable les pionniers! Dire qu'on a tous grandi ensemble et que le professeur nous a transmis les mêmes valeurs. Même maintenant, c'est rien des lâches. Et puis, comment ils pourraient savoir? Bah, ils nous espionnent sûrement tout le temps. On le fait bien, nous aussi. Ok, donc si je comprends bien... Bah, comme moi, j'ai espionné Olga. Elle se baignait dans le lac, elle va pas parquer. Bon, elle a dû rendre au balcon, celle-là. On a vu ça. Ouais, elle est canon. Si seulement elle pouvait arrêter de traîner avec ses lâches. C'est pas grave que je la pète. D'ailleurs, pourquoi presque toutes les filles traînent avec eux? C'est pas normal. Ça se passera pas comme ça. Donc, si j'ai bien compris ce qui est en train de se passer, on est arrivé dans une zone où il y avait une école et les gamins ont appris à grandir en chassant puisque tout le monde les a laissés tomber après les attaques nucléaires. Et donc, apparemment, ils sont séparés en deux groupes, les pionniers et les pirates. Ok, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas pour l'instant. Donc, on va voir si c'est vraiment le cas ou non. D'ailleurs, je vais regarder en même temps par la même occasion si. Si c'est bon. Toc, toc, toc. Bon, est-ce que je les tue, est-ce que je les tue pas? On a vu qu'il y avait un mec en face, est-ce que lui est parti? Lui s'est barré, ils ont dû avoir fini de discuter. Quelqu'un à terre là-bas. Je vais essayer de l'assommer, ce serait parfait. Et ce virevoltant pourrait faire un bon patron. Qu'est-ce que t'en lis? Jamais rien. Ouais, c'est ça. Et c'est avec un autre idiot. C'est toi qui as envoyé le ballon dans la rivière. C'est à toi d'en refaire un. Ça fait déjà deux semaines. Mais je suis en train d'en fabriquer un. Il reste encore un peu trop dur. Je voulais dire qu'on pourrait jouer avec ça pour le moment, comme c'est bon. Regarde. J'espère qu'il me voit en face. Champion. Il vole ce truc là? Il vole. Ou alors il est accroché au plafond. Pour mur. Retourne à ta couture, l'avant-centre. Bonne nuit Albator, fais de beaux rêves. Prends soin de toi et à la prochaine. Oui! Tu sais que j'ai reçu un pins. Regarde comme il est beau. Il est là. J'ai été remarqué ou pas? Je sens pas trop ça là-bas. Mais c'est des gens juste ici. T'as rien vu. T'as rien vu, y a trop de monde là, c'est pas bon. Est-ce que je peux passer en face? Le truc c'est que forcément j'ai envie d'explorer moi tout ça. Carme de folie ce truc quand on les éteint. La musique qui laisse penser qu'on aurait pu être repéré, j'ai pas envie. Alors soit ils ont repéré la carcasse du gars. Putain, reste calme. Mon objectif est par là-bas. Je le sens tellement pas à chaque fois. On y croit. Entrer par là. Le problème, c'est qu'on peut. Enfin, c'est pas un problème. On peut pas marquer les ennemis comme dans bon nombre d'autres jeux. Donc, niveau stratégie, tu sais pas trop où est-ce qu'ils sont placés.
Et c'est difficile de se dire, bon, on se met là, on se met ailleurs. C'est assez compliqué de prendre des décisions dans l'instant, je trouve. Parabarapa. Pourquoi toute cette agitation pour quelques vagabonds de mal ? Maintenant que les moniteurs se font chier. Je vais tout passer par ici parce qu'en fait ils sont tous dans le coin là. J'ai pas de couteau à leur lancer, rien. Non, mais c'est tellement joli comme environnement, la cabine et tout. Je suis même pas sûr qu'il faille que je les tape ou pas ceux-là en fait. J'hésite. Je les couse tous. Mais ouais, mais en fait il y a une bonne et une mauvaise fin. Heureusement qu'ils sont vraiment pas. Qu'ils voient rien parce qu'il fait noir, parce que. Et donc on a la possibilité de les tuer, de les laisser en vie ou autre en fait, donc. Je me dis, plus j'en assomme, et moins j'en tue. Ils sont vraiment bigleux, hein. Qu'on va croiser des araignées, non c'est bon. Ah, je me sens soulagé. Comment j'adore ce type d'environnement. Bon, faut plus des jeux comme ça, moi. Mais ouais, mais comme je te dis, j'aurais vraiment trop peur. Ah, ce téléphone qui est ultra lent. Veuillez patienter. Donc ça j'avais vu. Une dizaine de secondes juste pour pouvoir lire un message. Oui oui, ils sont là. Avec. Toc, ça c'est bon, ça c'est bon. Ils sont bien arrivés. Ah, ils m'ont pas envoyé une araignée dessus. Je suis tristesse. Qui est juste au-dessus là-bas. C'est lui là-bas qui m'embête. Pas il est difficile de sauvegarder ici, mais. Ah. Bon, je crois qu'il allait se retourner. Ne regarde pas, tu m'embêtes. Regarde ailleurs. Il n'y a pas un autre passage par là? Ça passe, ça passe. Pour l'instant, il y a eu aucun mort. Qu'on se le dise, je ne vois absolument un commandant. Je pense quand même que le fait qu'on soit arrivé de nuit aide beaucoup. On est en train de sauvegarder apparemment. Ça va pas tarder à sauvegarder, je sais pas. Ça y est, ça sauvegarde. C'est bon. On y croit. On va aller faire un tour à l'intérieur du bâtiment. Comme si les intrus
problème, c'est qu'éteindre ça, ça fait du bruit. Ah. Quelqu'un se pose des questions. Donc quelqu'un est en plein doute. J'ai l'impression que quelqu'un me regarde. C'est vrai, t'as l'impression que quelqu'un te regarde, tout va bien? C'est bon. Pas oublier qu'ils ont des lampes torches ou un truc dans le genre, donc... Je me dis que c'est tellement pas une bonne idée de m'approcher de lui là-bas. On voit qu'il y a la lumière ici qui vise. Restons calmes. On a 51 minutes, faudrait que je coupe la rediffusion aussi. Comment ça va? Tout est calme? Pourquoi je suis ici? Non, comme rien. Si je pouvais pas aider. Il y a trop de monde. On va éviter de forcer le passage. Je serais quand même bien descendu là, ici. Je sais pas si la personne qu'on attend est en haut, en bas. Ou... Je vais aller voir l'étage quand même, au cas où. Il est bien, voilà. Désolé, toi, je t'assomme, mais... Je n'ai aucune confiance. Qu'est-ce que j'aimerais aller à la cueillette aux champignons? C'est la pleine saison. Je suis croisé ici. Rester furtif, des carreaux explosifs, d'accord. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'alarme. On souffle la bougie. Je suis concentré. Personne, c'est bon? Alors, quoi de neuf? Personne, je peux continuer ton chemin. Bien. Qu'est-ce que je fous là, moi? Pourquoi est-ce que je sers des gardes-manger aux moustiques? Allô, ça, répondez. On n'arrête pas de vous contacter. Qu'est-ce qui se passe? Serment solennel, nous avons passé l'âge de rester au camp, nous, tout comme nous avons passé l'âge des jeux d'enfants. Alors nous partons pour la forêt, nous jurons de devenir meilleurs et plus forts et de survivre dans ce nouveau monde. 147 signatures, il y avait 147 enfants. Artyom, s'il te plaît, réponds à vous, vous allez bien tous les deux? Anna, assis-toi, dors. Tombé sur quelque chose. T'as vu tous les arbres qu'il y a à terre? Bordel. Tu devrais t'allonger. Ça sert à rien de rester assis là. Ouais. Artyom, Alyosha, contactez-nous dès que vous pourrez. Ou attendez-nous au barrage. Terminé. Artyom, tu as entendu? S'il te plaît. Vas-y, je t'en supplie. Mais assis-toi, bouge plus, toi. Apparemment, il y a un... Je pense que je suis pas tout seul en bas. Il y a un autre objectif ici. Qui est juste en dessous de moi, donc je pense qu'il faudrait que j'essaie de descendre quand même. On va essayer de voir ce qu'il y a en bas. T'es calme ? On va essayer de descendre. J'aime bien éviter de tuer tout le monde quand même. On reste calme, les gars. On reste calme. On avance, on sauvegarde encore une fois. On va faire une coupure de rediffusion parce qu'on est déjà à 55 minutes de rediff. Quand je pense que tout à l'heure ça a pas enregistré. Faites qu'il n'y ait pas de bestiole horrible en fond.
Ah mais si je fais ça, ça va faire du bruit. On saura ça au prochain épisode. Du coup, on va d'abord faire une coupe de rediff. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment entre eux, avec nous. Et bien encore une arme du crime. Une cuillère. Merci en tout cas pour votre présence et votre participation. J'espère que cela vous a plu, encore une fois. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensées positives. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstéjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live et la suite du jeu. On se retrouve d'ici quelques secondes. A tout de suite. Ba-dum-bum, 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 ba-dum